Donc vous voyez, on a fait une casse, on le savait, et donc on a préparé notre impréparation à une quelconque crise. Et c'est là que moi j'ai envie de juger justement les politiques qui ont été au pouvoir. Ceux qui ont donné moins de moyens, ceux qui ont supprimé des lits, ceux qui ont supprimé des postes, ils sont co-responsables de la manière dont nous avons vécu cette crise sanitaire. Certes, le virus n'était pas prévisible. Mais quand vous retirez des moyens à ce qui est le premier bouclier en cas de crise sanitaire, et disons-le, même d'autres types de crises, hein, ben, vous préparez quelque part l'impréparation à la crise qui peut arriver. Et donc là, tous les politiques qui ont été au pouvoir sont responsables, et moi j'ai envie qu'on les entende là-dessus. Pourquoi ils ont fait ça? Parce qu'ils doivent être jugés auprès des citoyens. Parce que là, il y a eu 90 000 morts en France. Combien aurait pu être évité si nous avions un système hospitalier qui était robuste, comme nous l'avait annoncé Véran, avant la crise.